Dragon magique, il y a longtemps, vivait dans un pays lointain, tout au bord de l'océan. Il était une fois, tout à fait par hasard, un univers extraordinaire traversé de constellations magiques, de lunes merveilleuses, de planètes fantastiques. Et à travers cet univers-là, se promenait notre brave monde familier de villes et de rues, d'arbres et de voitures. Et au sein de ce monde-là, il y avait une maison ordinaire. Et dans un fauteuil ordinaire, il y avait un petit garçon dont la tête résonnait d'une histoire connue de lui seul. Une histoire encore plus extraordinaire que toutes les histoires jamais vues ou entendues par le vieil univers. Après nous être longuement concertés, mes collègues et moi-même, après avoir confronté nos diagnostics... Après avoir étudié nos livres de médecine et les autres... Nous sommes arrivés à la conclusion que votre fils... ne saura pas et ne pourra pas... parler ni communiquer d'aucune manière... avec les êtres humains qui l'entourent. Mais, messieurs, ça nous le savions. Il n'a plus prononcé un mot depuis très longtemps maintenant. Et vous ne nous laissez pas le moindre espoir de le voir parler un jour? Hélas, le cas de votre fils est désespéré. Veillez à ce qu'il reste bien au chaud, qu'il soit à l'abri des risques les plus minimes. Car bien sûr, il pourrait toujours guérir à la suite d'un miracle. Mais nous ne pouvons pas l'envisager. Au revoir. Ce petit garçon s'appelle Jacques. Et ne vous inquiétez pas, il va lui arriver une aventure merveilleuse. Excuse-moi, mon garçon, tu n'aurais pas vu passer un jeune dragon il y a quelques secondes? Je jurerais en avoir vu un. C'est un spectacle inhabituel de nos jours. Oh! C'est ton miroir sur le mur en face. Je savais que j'avais vu un dragon. Moi? Je peux considérer ton silence comme une invitation. Il faut que je me rapetisse un petit peu pour entrer dans ta chambre. Oh, pas de problème. C'est de la magie. Je suis venu t'aider, mon petit Jackie. Et pour que je t'aide, aide-toi toi-même. Quelque part, sous toutes ces affaires... la pantoufle de verre, le champignon d'Alice, l'ombre de Peter Pan, un épi d'or et la brique jaune. J'ai trouvé une feuille de papier, un crayon et des ciseaux. Je suis un des rares dragons sur lequel on ait fait une chanson. La raison en est que, au lieu de détruire tout ce que je vois, j'essaie de trouver des solutions. Là, c'est terminé. Mon cher Jackie, je te présente ton double en papier. Très bien. Je vais me permettre de t'emprunter ce qui vit en toi. Et je vais le placer à l'intérieur du Jackie en papier. Ce qui vit en toi. Ah, tu te demandes ce que c'est. C'est essentiellement ce qui te permet de rire ou de pleurer, de souffrir ou d'aimer. C'est aussi ce qui rend une pomme délicieuse et qui fait rougir le bout de ton petit nez les matins d'hiver quand souffle le vent du nord. En fait, tout est au chaud là dans ton oreille gauche. Vite, avant d'attraper froid. Tu crois que je suis guéri? Ça, nous le verrons. Pour être vraiment guéri, tu dois faire un voyage avec moi. Oh? Un voyage impossible pour le vrai Jackie. Mais le Jackie en papier, lui, il peut aller n'importe où, pourvu que je fasse appel à la magie. Allez, en route! Mais où on va? C'est une excellente question, mon grand. Nous allons à Onali. À Onali? C'est mon royaume au bord de la mer. Enfin, ce n'est pas tout à fait un royaume. Mais c'est mon royaume. Quelques pierres, du sable et une caverne à moi. Et c'est surtout un endroit magique. Je vais te montrer. Oh, que c'est beau! N'est-ce pas? C'est Onali.
Et c'est loin? Aussi loin que t'ont emmené tes rêves les plus extraordinaires. Peut-être plus loin encore. Allez, viens, Jackie. On va construire un bateau. Oh, mais j'ai peur! Bien sûr, comme tout le monde. C'est pour ça que je tiens à te faire connaître Onali. Mais il faut d'abord arriver là-bas et j'ai peur d'aller sur la mer. Alors, tu vas dessiner la mer sur le store de ta fenêtre. Allez, dessine à ton idée. Prends mon crayon. D'accord. Mais ça va être effrayant. Ah oui, je comprends. Évidemment, on peut voir la mer de cette manière, mais si tu veux bien regarder au travers de mon image, je vais te montrer un autre aspect de la mer. Elle peut aussi être comme ça? Mm-hmm. Oh, je t'aime bien, tu sais. Dis, on construit le bateau? Avec quoi? Je vais te montrer. J'ai tout ce qu'il faut ici. Jackie aimait bien ce coquin de puff. Il lui sortit tous ses jouets et tout ce qu'il put trouver. Mon lit peut nous servir de coque? Absolument. Voguons sur les mers en bateau magique. Bateau magique. Bateau magique. Voguons sur les mers en bateau magique. Et oublions tous nos soucis. On va faire une coque avec mon lit. Regarde, il a du ressort. On pourra même prendre mon oreiller si tu veux dormir. D'accord, prenons le lit et l'oreiller. Et oublions nos soucis. Quand nous serons au pays magique, très bientôt. Très très bientôt. Quand nous serons au pays magique, je serai guéri. Faisons un mât avec ma guitare. Ma guitare. Ma guitare. Excellente idée. Et oublions nos soucis. Maintenant, nous partons pour Onali. 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 Maintenant, nous partons pour Onali. En oubliant nos soucis. Ensemble, ils voguent au loin sur un bateau incertain. Jackie scrute l'horizon depuis la queue du dragon. Il régnait sur le monde, les rois devant eux s'inclinaient. Les bateaux corsaires flambaient parce que Puff rugissait. Si Puff, s'il y a des pirates par ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puff, j'ai peur, je veux rentrer à la maison. Jackie, je ne t'avais pas prévenu. Mais quand tu t'es mis en route pour Onali, tu ne peux plus faire demi-tour. Pour trouver le chemin du retour, il faut d'abord trouver Onali. Peut-être, mais je ne veux pas voir de pirates. Et alors, hein? On ose venir me narguer? Alors ça, c'est un vrai pirate. Je veux rentrer, je veux rentrer. Mais tu ne peux pas, je viens te l'expliquer. Je suis le grand moustache noir, le très très grand moustache noir, mon président de sang. Vous avez traversé mon territoire, et c'est une humiliation pour le grand moustache noir. Effectivement, il est très très grand. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? N'ayez pas peur. Je vais trouver quelque chose de monstrueux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, n'ayez pas peur. J'ai trop peur de ne pas avoir peur. Jackie, je connais un secret pour ne pas avoir peur. Il faut voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tiens, regarde le pirate maintenant. Tu veux dire que derrière son physique de pirate, Moustache Noire aurait rêvé d'être un grand chef cuisinier, c'est ça? À toi de jouer. Il est tellement grand. Mais tu connais son secret. Tu peux nous sauver. Alors, mon petit gars, tu as quelque chose à me dire avant de mourir? Eh bien, me
monsieur Moustache Noire, vous sauriez faire un gâteau aux cerises immense. Vous sauriez faire un gâteau aux cerises pour nous trois? Moi, je fais tous les gâteaux du monde, et les meilleurs du monde, les plus grands du monde. Alors, je peux préparer tous les plats qui vous passent par la tête. Je regrette, je ne vous crois pas. Quoi? Toi, tu ne me crois pas? Vous êtes peut-être un grand pirate, mais un cuisinier, jamais. Oui, je vais te pulvériser. Mais avant, tu vas attraper une indigestion. Ces gâteaux sont délicieux. Oh. Oh. Moi, je n'avais encore jamais mangé de gâteau aussi bon. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir comme vous me faites plaisir. Ah, si seulement je pouvais être cuisinier, au lieu d'être cet immense pirate monstrueux. On peut toujours changer. Tout le monde change. C'est pas vrai, Puff? J'ai souvent entendu dire ça, oui. Oui? Alors mettez-vous cette idée en tête et faites-le. Vous avez une si grande tête qu'il y a sûrement assez de place dedans pour y mettre une idée. Je suis un homme neuf. Non, je suis un vieil homme, mais avec un cœur tout neuf. Et c'est grâce à vous deux. Au revoir et bon voyage. Je vous enverrai un gâteau fruits confits pour le prochain Noël. Où sommes-nous à présent? Nous voguons sur la mer des yeux sans étoiles. J'aime pas cet endroit, mais il va falloir me résoudre, hein, Puff? Si nous devons rejoindre Nali pour te permettre de rentrer chez toi, alors c'est oui, sans aucun doute. Je déteste cette affreuse mer des cieux sans étoiles. Oh, ce n'est pas la faute de la mer, c'est celle des nuages. Pourquoi ont-ils l'air si furieux? Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont fous de jalousie des étoiles. Tu vois, les étoiles peuvent monter dans le ciel des milliers et des milliers de fois plus haut que les nuages. Et c'est pourquoi, comme tous les êtres stupides à l'esprit étroit, ils s'imaginent renier la beauté en la cachant. Puff, regarde! Une étoile filante! Oh, la pauvre malheureuse! Écoute-les. Ils ne se sentent plus de joie quand une étoile s'éteint. Mais elle n'est pas morte, Puff. Elle essaie de parler, mais elle n'y arrive pas. Oh, je sais bien, moi, ce qu'elle ressent. Il faut que nous la sauvions. Hélas, c'est sans espoir. Elle ne sera bientôt plus qu'une pincée de cendre légère, à moins qu'on trouve une solution pour la raccrocher sur son orbite. Dans ce cas, ne perdons pas de temps et étudions la question. Et si on faisait voler le bateau? Utilise ton pouvoir magique, pain des ailes. Ouf, pourquoi pas? C'est une excellente idée. Oh, le bateau est trop lourd. Il faut qu'on jette un peu de lest. Moi. Oh. Charge-toi d'elle. Tout seul? Je saurais pas m'y prendre. Et puis j'ai peur. Jackie, aie confiance en toi. Et au moins le courage d'essayer. C'est la démarche numéro 2 pour faire fuir la peur. Tu peux échouer, mais au moins tu auras tenté cet effort. Tu veux essayer? On a réussi! Je vais te raccrocher dans le ciel aussi vrai que je m'appelle Jackie. Merci! Qu'est-ce que c'est? Une médaille, celle de la bravoure. J'ai donc été brave? J'ai encore gagné un point? Terre en vue! J'en ai comme l'impression. Mais où sommes-nous donc? Ouh, quel paysage sinistre! Oh non, ce n'est pas possible! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne reconnais donc pas cet endroit? C'est Onali! Onali? Mais que s'est-il passé? Sûrement une catastrophe épouvantable pendant mon absence.
Viens vite, allons regarder ça de plus près. Ah non, je ne peux pas, j'ai trop peur. Toi, Pin? Tu as peur comme moi avant que tu viennes? Alors, c'est à mon tour de t'aider. Allez, viens. Regarde, il y a un écriteau. Courbez-vous jusqu'à terre. Mettez-vous à genoux. Vous vous trouvez à présent sur l'île des Atchoumeurs. Ceci vous concerne, Atchoum, et vous aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un Atchoumeur? Atchoum! Vous êtes un Atchoumeur, monsieur? Et de quoi ai-je donc l'air? T'as ok, peut-être? Atchoum! Ne crains rien, Puff. Je prends l'affaire en main. Vous savez que vous êtes sur une propriété privée. Et alors, je suis sûre que Puff vous accueillerait volontiers. Il partage tout de bon cœur. Mais pourquoi vous abîmez tout? Parce que nous sommes à... Comment dire? Atchoum! Pourquoi êtes-vous incommodé? Vous ne seriez pas, vous, si vous n'étiez qu'un nez enrhumé. Atchoum! Un nez en chiffonné, tout rouge et douloureux. Atchoum! 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 Oh, maintenant je comprends. S'ils se conduisent ainsi, c'est parce qu'ils sont mal à l'aise. Utilise ta magie pour les soulager. Je puise ma magie à Onali. Et si la source est détruite, mes pouvoirs le sont aussi. Écoute, cet endroit n'est pas fait pour toi. Il faut que tu rentres chez toi. Tu as trouvé ce que tu es venu chercher. À présent, tu ne sembles plus avoir peur du tout. Non, je refuse de t'abandonner. Pourtant, il le faut. Je saurais bien comment résister aux Atchoumeurs. Tu ne ferais que me gêner. Je veux que tu t'en ailles et que tu prennes le bateau. Bref, je veux que tu prennes le bateau et que tu t'en ailles. Alors je pars, si c'est ce que tu veux. J'allais t'abandonner. On va s'occuper de ces Atchoumeurs. Regarde qui j'ai ramené. Monsieur Moustache Noire, à vous de jouer. Pour les nez qui goûtent et les chats dans la gorge, le meilleur remède, c'est mon bouillon de poulet. Hein? Qu'en se passe-t-il? Oh, il y a de la pluie. Une pluie merveilleuse. Il est délicieux, mais rien, bien. Nous sommes guéris. Et maintenant, rendons à Onali le bel aspect qu'elle avait avant. Weep, weep, weep me the sunshine out of the fall and the rain. Weep me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Weep, weep me the sunshine out of the fall and rain. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Will the dust from castle towers shine on me again? Wash them down with rainbow showers, shine on. Dragon flies and dragon flowers shine on me again.
venu dans ma chambre. Eh bien, il était temps que tu rentres. Et le temps est encore beaucoup plus fort que la magie. Mais Puff... Comme promis, tu t'es aidé toi-même. Agissant ainsi, tu m'as aidé également. Et maintenant, c'est le moment de te montrer vraiment courageux. Il faut que tu acceptes de grandir, de ne plus être le Jackie de papier, et aussi de ne plus te cacher avec des personnages imaginaires comme les dragons. Tu n'auras plus besoin d'eux, sauf en cas de nécessité absolue. Oh, je ne te quitterai jamais, Puff. Il ne faut jurer de rien. Réveille-toi. À présent, c'est à toi de jouer. Au revoir, Jackie. Oui. Du bouillon de poulet. Puff! Puff! Jackie! Jackie! Oh, mon chéri! Maman, papa! Il part! Oh, maman, papa! Je vous demande pardon, mais auriez-vous vu par hasard passer un dragon? Eh oui, c'est lui, roi! Parce que moi, j'ai vu passer un dragon. Moi! Et à ce propos, qu'est donc devenue votre belle imagination? Hein?